I do clean and dead, girl, move by the candy. But I don't give a fuck with cheating, and they got me deep. My no step, so film, I eat pallet. I'll in my one, two, I buy no step, so it ballet. Cash mole, hi yo, my rock, y'all ain't bubble name. Cash mole, hi yo, my rock, y'all ain't bubble name. Cash lava, rock, bring small, I put that guy. Orly Shaki. Orly quoi? Orly Shaki. Et Orly Shaki fait quoi? Je suis rappeuse du groupe Zébé Gang. Et tu représentes quel quartier? Quartier Agiakome. Ah, ok. Alors, tu fais un truc? Ok. T'as pas compris la leçon, t'inquiète, je suis une bonne maîtresse. Toi, face à moi, je ne veux pas te bouffer. Vas-y, déstresse, t'es. Fais de m'avoir sous-estimé, t'aurais dû me prendre pour l'Eldorado. Ouais, je sais que t'es plus fort que moi, ouais, un peu comme l'école en juillet. Waouh, c'est trop. Attends, t'as un mot à Morona? Pardon? Attends, moi, Prince, non? Prince. Je sais pas. Bon, du courage, je sais pas. Du courage, ça va. C'est tout? C'est tout ce que t'as dit à Morona? Bon, ok. C'est quoi ton morceau préféré de Morona? Mon morceau. Je sais pas. C'est quoi le titre? Je connais juste la mélodie. This is my life, je sais pas trop. C'est tout? Okay. Tu kiffes Morona, enfant? Bon, ok. Interrogation. D'accord? Je vais dire un truc et tu réponds, c'est bon? You see the shit? Pardon? You see the shit? Je sais pas. Oh là là, il va s'énerver. Ok, bah à plus alors. On se verra après. Coulisse, là je suis avec un rappeur MC. D'accord, salut. Moi c'est Marty. Moi c'est la Cartouche. Ok, Cartouche. Tu viens d'où? Bonjour. Tu viens d'où? Quel quartier? Je viens d'Adidogomé. Okay. Tu représentes Adidogomé, c'est ça? Ok. Donc, t'as un mot pour Morona? Du courage et de toujours persévérer dans ce qu'il fait. J'aime bien ce qu'il fait. C'est quoi ton morceau préféré de Morona? C'est quand même un vieux morceau, mais je le kiffe toujours. C'est à poids d'or. Classique, c'est un classique. C'est un truc qui a marqué le peuple tout. Et surtout son clip vidéo. Ça a vraiment buzzé, j'ai kiffé. Voilà, interrogation. T'es prêt? Je te lance une phrase et tu termines. You see the shit? God damn shit. Là, je suis avec Duel. Laisse producteur de Tachi. Le représentant de Westaf, si je peux dire. Voilà. Allez, salut Duel. Allez, bonsoir aux gens qui seront au concert, ceux qui vont suivre les backstage en vidéo après. Alors, c'est sûr que t'as un mot pour Prince Mo, puis ils sont tous là pour Prince Mo, donc c'est un truc qui est destiné, il va le voir après. Donc, alors tu dis quelques mots. Ok, donc d'abord je salue l'initiative et je soutiens la chose. Et nous sommes là aujourd'hui, juste en tant que présentateur, via mon label, mon assistant, on est là, en tant que présentateur. En tout cas, toute initiative autour du hip-hop, nous sommes en train de pousser la chose et vraiment, ça me fait plaisir. Tous les rappeurs qui sont là, j'ai vu les noms des gens que j'ai vus sur scène, qui ont de la valeur et des talents assez pointus en matière de rap. Ok. You see the shit? God damn shit. Tama wala rode mulo bindi la. Ni kuku mulo bindi. Ela ha ke kono ma prince bi ha ke ndeka kono ho ke gimu. Ma jino ke ke mbela wa. Ezangbado. Agbetogba logba lo. Ganko le de cerveau. Nous qu'est de violado. Tu allais sous nene hein, mais là c'est. Attends, des classiques à Nama. Tout grand classique avec qui vous mulo merdon quoi alors. Oh, tout grand la harie qui veut mulo avec qui qui. Ok. Mi bagbo. Avoir oui, soudainé. Avec les artistes qui feront la première partie, là je suis avec un autre. Salut MC. Moi c'est Marty et toi? I'm Fuga Boy. Fuga Boy, yeah. C'est sûr que tu es là pour Prince More, non? Yeah, for real. T'as pas un mot pour Prince More, puis c'est un truc qu'il va voir après, quoi. Donc tu regardes droit dans la caméra et tu dis un truc. Oh bon, Prince More, c'est mon frère, donc. Je l'aime quoi, ici les chiens, c'est goddamn shit, my nigga. Yeah, that's all, man. It's my brother, so I'm here and sing for him. We are the big cause of the holidays, my nigga. You got this shit? Yeah, I'm done, my man. Et c'est quoi ton son préféré? One Love. Je te fredonne un peu. I'm tired of stepping. Oh,
I'm tired of stepping. I'm tired of stepping my back on the war. Tired of losing what I'm fighting for. I'm tired of war. We need more love. Yeah, that's all. Oh, ok. Bon, ok, je termine avec l'interrogation. T'es prêt? Je te lance une phrase et tu termines. You see the shit? It's a goddamn shit, nigga. Didi, salut mon frère. Salut, c'est comment? Tranquille, en forme. Ouais, en forme, ouais. C'est sûr que t'es là pour Prince. Prince, qu'est-ce que je vais dire? Tu es un artiste extraordinaire. Tu n'as pas besoin de clasher, de faire un clash avec Mike pour dire que tu es le capitaine, tu es le président. Rien à foutre, c'est toi le boss, man. J'aime bien ce que tu fais. Et c'est quoi ton morceau préféré de Morona? C'est quoi ton kiff? J'aime tous ces sons, mais j'aime bien le dernier. Je vous emmerde là. Ouais, il a raison. Ils emmerdent de rap game, hein. On les emmerde. Alors t'es prêt à casser la baraque? Ah, c'est Dieu qui est fort, hein. Je vais monter sur scène. Je vais faire de mon mieux. Bon, t'es prêt pour l'examen? Ouais, t'es prêt? Là, tu le verras tout seul, t'es prêt? Non, j'aime pas les autres. Non, t'inquiète pas, je te lance juste une phrase et tu termines, c'est tout. Juste une phrase et tu termines. C'est bon? À 3. 1, 2, 3. You see the shit? God damn shit, man. T'es en vrai. Je suis avec la Get Ready. Je suis avec MC, tu te présentes? C'est le Kram de Get Ready. Je suis avec mes potes pour le concert de Prince Mo. Et ça va faire mal tout à l'heure. Lomé va pleurer. Vous allez savoir ce que ça fait quand Get Ready presse, en fait. Papara, c'est ça? Si. En fait, c'est le papara. Vous êtes là ou pas? On est là pour le concert de Prince Mo et Mike Flame. Calé avec les négros, Get Ready Gang, tout le monde est là. Ça va être frais ou pas? Shout out. Jackie Jack encore, c'est comment les gars? Concert, Get Ready Gang, motherfucker, tu vois un peu comment ça va se passer, non? One love. L'amiga. Ouais, moi c'est l'amiga, en fait. On est là pour le concert de Morona et tout. Je représente la Get Ready Gang et tu joues avec mes gars posés et tout. Mais bon, vous allez voir ce qui va se passer tout de suite là, merci. You see the shit? Diamond, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Okay. Je sais que tu es là pour Prince Mo. Oui, bien sûr. Voilà. C'est l'occasion. Ce soir, j'ai entendu dire qu'il y a Prince Mo et Mike Flame qui se clashent. Et je ne sais pas qui choisir en fait. Donc, bonne chance à tout le monde et puis que le meilleur gagne quoi. Voilà. You see the shit? Get them shit. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Marty et toi? Moi c'est Dieudonné Italito. T'es là pour Prince Mo, c'est ça? Ouais, je suis là pour le captain. D'abord, il a signé la bille d'abord, premièrement. Donc c'est un grand fan alors? Ouais. C'est le captain, ok? Genre, c'est Mick Bagbo à Poado. Obegbe ami d'akpo ni ki amole na maika. Mi na kwere ki la le maika. Prince Mo to bena. Ne nya te pekpo e ben ko le takpekpe are. Est-ce que la va? Ne di veni va ma poko. Kweto kweto, merci. Et c'est quoi ton son préféré? Ton son préféré? C'est Mi Gbagbo à Poado. Mais maintenant là c'est je vous emmerde. De parler avec les gars. Donc je vais chercher une meuf. D'accord? J'ai trouvé une meuf avec Adjoasika, c'est ça? Bonsoir Adjoasika. Bonsoir. C'est sûr que tu es là pour Prince Mo? Justement, c'est l'un de mes plus grands fans, c'est pour ça que je suis là. Et je suis fan aussi. Et tu as un mot pour Prince Mo, puis c'est un truc qui va voir après, tu vois? Ok, d'abord, je sais que ça va marcher pour lui. Et parce que tu es toujours top pour moi et pour beaucoup d'entre nous. Et je te souhaite beaucoup de courage. Tu vas percer, tu persévéreras. Et tu vas percer. Et voilà. Et c'est quoi ton morceau préféré de Morona? Ton son préféré de Morona? Le dernier clip. J'ai pas les titres. Préféré, hein? J'ai pas. Bah, dans ce cas, tu fredonnes alors? Là, c'est chaud. C'est du rap, mais. Allez, essaie, je peux t'aider.
Ok. Bon, maintenant tu es prêt pour l'examen. Parce que toute personne n'y échappe en fait. À trois, je te lance une phrase et tu termines. C'est bon? 2, 3, you see the shit? Got in shape. Ah, ok, merci. Ok. Canon. Wesh, c'est comment? Tranquille, frère. Tranquille. What's up? Hashtag combien de millions? Hashtag Janta. Hashtag surveiller la jungle. Ce soir, ça va être sale. T'as deux mots pour Prismo. Ok. Prismo, c'est mon frère, tu vois. Mm-hmm. Donc, on est tranquille, posé. Ce soir, c'est le début du commencement, comme disent les Toufan. Donc, tu as une grande carrière qui arrive. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Hashtag Janta. Hashtag combien de millions à ramasser ce soir? You see the shit? God damn shit, yo! Je suis... Ouais, je vous emmerde! Ouais, je vous emmerde! Ouais, je vous emmerde! Captain! And I'm chilling right here with my man, Tutu. And I'm saying, if there's any girl out there that would like a gang call, thanks, huh? Mm-hmm. For real, man. Man, is that? What's up? Jack, man, is that? Alors, voilà, bien ou quoi? Tranquille? Tranquille. Ouais, prêt pour casser la baraque? Ouais, on va défoncer tout ça. Tranquille, tranquille. Alors, t'as un mot pour tes fans? Parce qu'il y a plein de gens à l'intérieur, tu vois. Après, tu verras, il y a plein de trucs pour toi. Tes fans ont dit plein de trucs pour toi. Et là, c'est l'occasion de dire un truc pour eux. Bon, ben, déjà, ma toi dit coup de hakpe, dadana, messiame. Parce que je sais que je vous ai prévenu un peu. Je sais pas, hein, ça s'est très très vite passé en fait. Je vous prends de court. Déjà, donc, je vous dis merci d'être là. Et je vous promets un show digne de ce nom tout à l'heure. En exclusivité, il y a deux de mes morceaux, les nouveaux One on One et Avoudé, à écouter tout à l'heure. Je vous remercie. Okay. Tranquille, donc on se voit après le concert. One on One. Ah, okay. Là-bas.
Et en bas, acte de présence à vous. Et je peux avoir les lumières éteintes, s'il vous plaît. Je veux pas de lumière dans ce son. C'est la fin de ton concert. Alors, c'est quoi tes impressions? Oh, j'ai été vraiment agréablement surpris de voir le public qui s'est déplacé, qui s'est même dépassé pour venir à ce spectacle. Donc, je fais un coucou spécial à Mike Flame d'avoir partagé la scène avec moi et je remercie tout le monde d'être passé soutenir le hip-hop togolais. En gros, tout s'est bien passé? Oui, 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 tout s'est bien passé. Bon, je suis un peu déçu par rapport à certaines choses que moi-même j'aurais prévu faire mais que j'ai pas pu faire, tu vois. Mais ça va, il n'y a pas de souci. Donc on se prépare pour le prochain spectacle et la sortie du prochain album Live and Believe. Bref, très rapidement, tes projets. Oui, comme je viens de te le dire, j'ai en projet un nouvel album qui s'appelle Live and Believe, pour vivre et croire en ce qu'on vit. Et je travaille avec AMPG, Armel Productions et Imagination. On travaille tous les jours sur ça. La preuve, on a pu avoir ce concert en 2 semaines. C'est vraiment quelque chose de formidable et je remercie encore le public qui s'est déplacé. Parce qu'ils m'ont témoigné ce soir que j'avais de la valeur à leurs yeux en fait. Je ne m'attendais pas à ça, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Un coup de cœur. J'ai plutôt un coup de gueule, j'ai pas un coup de cœur. Je pense que ce serait c'est le bon moment pour dire aux promoteurs
et même au public de commencer par exiger, je sais pas, la consommation locale par exemple. Et il faudrait éviter certains malentendus, hein, je sais pas, faudrait qu'on passe à un autre level d'organisation, d'entertainment, un autre level d'à peu près tout quoi en fait. Donc c'est juste un coup de gueule que je place comme ça, mais bon, certains vont le prendre mal, d'autres pas. J'espère que des choses vont pouvoir changer, que tout le hip-hop va faire un pas maintenant. L'album sort quand? La date? Non, il n'y a pas de date officielle pour le moment parce que les enregistrements sont pas encore terminés. Donc on va voir dans l'année prochaine. D'ici, je sais pas moi, peut-être février ou mars, vous aurez mes nouvelles. Mais avant ça, il y a plein de collaborations, des vidéos, je sais pas, même des petits shows dans les quartiers parce que j'ai vraiment envie de sillonner un peu tout le pays pour toucher mes fans, mon public en fait. Et il faut que je dise encore que c'est vraiment important, il faut qu'on change tout le système. Il faut qu'on change tout le système. Mon mot de fin. Bon, mon mot de fin, c'est que j'aime vraiment le public et j'adore comment ils me traitent quand je suis sur scène. Donc c'est pour ça que je réponds de la sorte. Donc un gros bisou. Le brassard, je trouve pas. Ah, ok. Allez, merci. J'ai pas envie de me le faire piquer tout à l'heure. Là. Merci. All we need is one love.